qu'il y a des obstacles dans ta vie. Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de lui, au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un?
Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjoint le regard est une femme qui se questionne au-delà de, la barrière. Est-ce que je pourrais chacun?
C'est toi qui nous diriges. C'est toi qui nous orientes. Merci parce que ce programme ne répond pas à un besoin de l'homme, mais vient répondre au besoin de Dieu. Parce que qui comble le besoin de Dieu comblera inévitablement celui d'un homme. Merci, Père, de ce que tu nous donnes la capacité, la grâce de toujours être dans le canevas qui est le tien. Nous te bénissons, nous t'ovationnons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dont j'ai prié. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut me donner des amens? Est-ce que je peux commencer à... Est-ce qu'on peut rentrer dans le menu de ce soir? Est-ce qu'on peut rentrer dans le menu de ce soir? OK. Pendant que je suis en train, par la grâce de Dieu, de parler, j'aimerais que on puisse partager le live au maximum, inviter plusieurs personnes, prenez le lien et envoyer à plusieurs personnes. Et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Dieu va nous faire énormément de bien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre thème, c'est partagez le live Zoom, s'il vous plaît. On n'est pas en live sur Facebook. Le live sur Facebook se fera par la grâce de Dieu demain matin. Il y aura un live sur Facebook par la grâce de Dieu. Vous pourrez recevoir la rediffusion sur Facebook. Alors, notre thème global de ce mois, c'est de l'impact, de la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. Alors, assurément, plusieurs aimeraient avoir des clés, plusieurs aimeraient connaître comment faire pour apporter, pour prendre une vision de niveau zéro et de cette vision-là, transcender cela à une dimension d'impact. Je vais, par la grâce de Dieu, laisser le privilège aux orateurs suivants, aux orateurs qui vont nous suivre, d'expliquer, de parler sur ce qui est de l'impact. Mais ce soir, je vais particulièrement m'apesantir sur la vision. Qu'est-ce que la vision? Comment reconnaître une vision? D'abord, quand on parle de vision, ici, je ne parle pas de vision dans le sens du raha ou du shama, c'est-à-dire dans le sens de voir avec les yeux physiques, avec les yeux de l'esprit, de par les yeux physiques dans le monde surnaturel. Je ne parle pas d'abord de cette dimension-là, mais je parle ici de vision dans le sens de destinée, dans le sens de commission, dans le sens de maskle anteb. Je parle de vision dans le sens d'objectif, dans le sens de but. D'où on dit de la vision à l'impact. Prendre en fait ce à quoi tu es appelé afin de transmettre cela, communiquer cela. Merci, merci beaucoup, la mission. Communiquer cela, communiquer même les radiations que tu ressens du plus profond, du très fond de ton être à toutes les personnes qui sont autour de toi. La vision peut avoir comme synonyme, comme je l'ai dit précédemment, la mission, le but, l'objectif. Mais vous devez comprendre, les amis, que la vision d'un homme ne se trouve pas sur la terre. Oh, quelle insolence. Permettez-moi d'abord d'ouvrir ma Bible avant de rentrer, parce que là, le ciel est en train de s'ouvrir ici. Sinon, on va partir, on ne va pas lire la Bible. Et beaucoup pourront dire, là, le prophète est parti, c'est écrit où? Allons-y dans Jérémie d'abord, à partir du chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. J'ai besoin d'un lecteur. J'ai besoin d'un lecteur rapidement. Que quelqu'un m'aide avec la lecture rapidement.
Jérémie 1, verset 5, verset 4 à 5. Si tu as la page rapidement, tu peux déjà ouvrir ton micro et faire la lecture pour tout le monde. Est-ce qu'on peut m'aider rapidement? D'accord, je vais lire la parole de Dieu. Déclare ceci, je suis dans Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 5. La Bible déclare ce qui suit. Version du second 1910. Hein. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une autre version, rapidement? Une autre version, rapidement. On va interagir comme ça. Nous sommes au temps d'équipement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que les canailles pour que ça va vous servir, ça et ça. Mais on veut d'abord l'équipement. On veut l'équipement. Une autre version, rapidement. Pendant que quelqu'un cherche une autre version, Olivia, ma fille, va dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Tu te prépares dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Rapidement, une autre version. On va m'aider ici. Classe Sainte Bible, nouvelle édition. Je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je réitère la lecture. La parole de l'Éternel est adressée en ces mots. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Merci beaucoup, papa. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26, une autre personne. Genèse 1, verset 26. Le ciel est ouvert ici. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ok. Amen. Amen. Je vais me permettre rapidement de relire ce texte dans ma version. Genèse 1, verset 26. Dans ma version, il est écrit, Elohim dit, je suis dans la Bible Yehoshua HaMashiach. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Faisons l'homme, l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance. Premièrement, Dieu dit, faisons l'homme. Ici, la première question que l'on peut mettre en évidence dans le faisons l'homme, c'est le comment. Premièrement, faisons l'homme, comment? À notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi maintenant on doit faire l'homme? Et Dieu termine, il répond au pourquoi. Il dit, et qu'il domine. En fait, le et qu'il domine ici, le et est une conjonction de coordination pour les personnes qui ont fait des longues études, vous allez comprendre ça. Et est une conjonction de coordination, je crois, on a mais où est donc ornicar, mais où est donc ornicar. Donc, et est une conjonction de coordination qui a pour but de lier deux idées, je crois. Donc, la première idée, c'est qu'on doit faire l'homme à notre image, à notre ressemblance.
La première idée, c'est que l'homme soit comme Dieu est. Et la deuxième idée, c'est que l'homme doit venir avec un objectif. C'est que comme Dieu est, l'homme doit être en la ressemblance et en l'image de Dieu. Mais l'homme doit aussi être comme Dieu est dans le domaine de la domination. Donc, le pourquoi l'homme a été créé, c'est afin que l'homme domine. Comment l'homme a été créé? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pourquoi l'homme a été créé? C'est pour que l'homme puisse dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais en fait, la chose sur laquelle j'aimerais un peu titiller, où j'ai envie de dire mettre le doigt dans la plaie, permettez-moi l'expression, c'est le fait que j'ai vraiment envie de casser certaines compréhensions, je dirais même, j'irai un peu plus loin, certains messages qui ne sont quelquefois pas bibliques, dans le sens où par rapport à l'appel, par rapport au ministère, par rapport à la fonction. J'ai envie de dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde, je vais ouvrir cette parenthèse, tout le monde n'est pas appelé aux cinq ministères. Toute la terre n'est pas appelée aux cinq ministères. En fait, la vision, c'est quoi? La vision a pour synonyme mission. Mission, on peut attribuer la mission comme étant un ministère. Ah, j'étais en train de dire que ce soir, on va aller high. On va aller vraiment high par la grâce de Dieu parce que les hommes de Dieu qui viendront ne sont pas les moindres. Et on va un peu élever le niveau afin de décoller déjà. On a un peu mal compris la mission de Dieu ou bien le rôle, vraiment, avec toute humilité, je me permets de le dire. On a un peu mal compris la notion de ministère. Vous savez, quand Dieu parle, non, Jésus, quand Paul parle dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9, 10, 11, où il dit que celui qui est monté, c'est celui qui, le même qui est descendu, c'est celui qui est monté. Et je paraphrase, il a donné les uns comme apôtres. Écoutez, il utilise un mot, une catégorification. Il dit les uns comme apôtres, les d'autres comme prophètes. Donc, quand on dit les uns là, ça veut dire qu'il y a une partie qu'il a pris et il a fait de des apôtres. Il y a une autre partie qu'il a fait des prophètes. Il y a une autre partie qu'il a fait des pasteurs et docteurs. Mais on spécifie. Pourquoi Dieu prend des hommes et il les donne comme des noms? C'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Or, le corps de Christ là, lui, il a quel ministère? Parce que, en fait, les hommes de Dieu sont des personnes à part, on exerce pour les gens autres. Alors, je vais dire ça comment? Parce que ici, il faudrait comprendre que dans Éphésiens chapitre 4, à ce niveau-là, il y a six personnes qui entrent en mouvement. Il y a l'apôtre qui est séparé des autres. Il y a le prophète, celui qui montre la direction. Il y a le ministère évangélique. Celui qui est toujours élevé, est-ce que je peux avancer ici? Il y a le ministère pastoral et le ministère doctoral, celui qui nettoie, celui qui vient illuminer les choses. Mais au-delà de ces cinq ministères, il y a aussi le sixième qui entre en compte, qui n'est pas un ministère, mais que je qualifierais d'être la foule. C'est là où la Bible dit pour le perfectionnement des saints. Les saints, là, c'est le sixième. Donc, ces cinq membres-là ont pour but d'agir sur les saints. Donc, ça voudrait dire que dans les saints, là, ils ne sont pas appelés aux cinq ministères. Maintenant, si les saints, là, ne sont pas appelés aux cinq ministères, quel est le ministère des saints? Si les saints ne sont pas appelés aux cinq ministères, quel est le ministère des saints? C'est ainsi maintenant que vous devez comprendre que Dieu n'appelle pas tout le monde à le servir dans le sacerdoce. Parce qu'il y a deux grandes catégories. Je vraiment une parenthèse que j'ouvre encore et très bientôt je vais descendre. Il y a deux grandes catégories de ministères. On peut les léguer en deux grandes catégories par rapport au fonctionnement social d'un pays. Le sacerdoce s'adresse à Dieu, mais dans un pays.
Et pour bien comprendre ça, il faudrait lire et étudier l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance nous montre deux choses. En ce qui concerne le ministère de l'Ancienne Alliance, on avait tout simplement le prophète et le roi. Il y avait trois ministères mis en évidence dans l'Ancienne Alliance. C'était le prophète, le sacrificateur et le roi. Le prophète, lui, il vivait toujours sur les montagnes dans la solitude. Ce sont les gens de solitude. Le sacrificateur, c'est celui-là qui, en fait, prenait le temps d'offrir les sacrifices afin de sanctifier le peuple. Le roi était la représentation de Dieu dans le peuple de manière visible. Le prophète était celui qui avait la voix de Dieu et il était la passerelle, la porte entre le peuple et Dieu. Maintenant, quand Jésus monte, Jésus dit, il serait avantageux pour moi, en fait, en m'en allant, d'ajouter à cela trois autres offices, à savoir l'apôtre, l'évangéliste et le doctoral. Parce que ces offices-là auront pour but d'équiper l'Église. Pourquoi ? Parce que chaque office ministériel n'a pas le même message. Ouais. Un prophète et un apôtre n'ont pas le même message. Ils ne voient même pas Dieu de la même manière. Ah oui. Un prophète et un évangéliste n'ont pas le même message. Pourquoi message ? Parce que les cinq ministères sont appelés à l'édification. Quand on parle d'édification, il y a enseignement. Donc tous les cinq ministères ont la capacité d'enseigner. Mais tous les cinq ministères ne peuvent pas enseigner la même chose de Dieu. Parce que la révélation qu'a un prophète de Dieu diffère de celui qu'a un évangéliste ou un pasteur de Dieu. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, avance prophète et je vais avancer. Avance prophète. Comment? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et par la grâce de Dieu, je vais revenir sur mon message. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre que la terre n'est que le reflet de tout ce qui se trouve dans les cieux. Vous avez commencé votre existence sur la terre. Mais vous n'avez pas commencé à vivre sur la terre. Vous avez commencé votre existence sur la terre, mais vous n'avez pas commencé à vivre sur la terre. La vie, c'est Christ, c'est Dieu. Or, si Dieu dit que... Amen. Si Dieu dit à Jérémie que avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, ça voudrait dire que Jérémie existait déjà dans une autre dimension. Est-ce que je peux parler ici? Jérémie existait déjà à un autre niveau spirituel, mais n'était pas encore sur la terre. Mais en fait, même la terre là n'a pas été bien définie dans la catégorification des dimensions spirituelles. Parce que vous devez comprendre que... si vous êtes dans la même salle et que vous écoutez le live, mutez les micros. Vous devez comprendre que la terre aussi est dans une dimension spirituelle. La terre est un niveau spirituel, la terre dans laquelle tu vis. Et je vais expliquer ça tout à l'heure par la grâce de Dieu. La terre, le monde, le globe terrestre dans lequel on vit là, c'est un niveau spirituel. Oh my God. C'est l'une des dimensions. C'est une sphère d'un lieu spirituel. Amen. Je ferme cette parenthèse et je vais l'ouvrir très bientôt. Le problème de plusieurs, c'est que quand vous venez à l'existence, quand vous venez au monde, quand on vient au monde, on est acquis par papa et maman. Le plus souvent, notre objectif, c'est de chercher à faire une chose quelquefois que l'on aime et que l'on voudrait faire, sans pourtant consulter à la base quelle était ta fonction primaire pour laquelle tu étais constitué. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que
tout être vivant qui vient sur la terre a déjà été prédéfini. Écoute, écoute, la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 31, qu'il nous avait déjà prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Et là encore, beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'en fait, quand on dit image de Christ, beaucoup croient et pensent que c'est l'image par rapport, exemple, à une autre dimension prophétique. Non, mon ami, on ne peut pas tous avoir la même connaissance de Jésus parce qu'on n'est pas tous appelés au même couloir que Jésus. Quand Romain dit à être prédéfini, être semblable à l'image de Christ, ça veut dire que dans ton couloir, tu dois refléter Christ comme si c'était Christ qui exerçait dans ton couloir. Parce qu'en fait, si Christ était dans ton couloir, Christ allait manifester une dimension aïe de sa divinité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce amen. Que je parle à quelqu'un? Permettez-moi de revenir en rebondissant sur qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que la vision? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre que la vision est l'objectif pour lequel tu as été conçu. Je ne pourrais pas trouver meilleure définition que cela. La vision, c'est l'un des objectifs capitaux. On dit comment? Primordial. Un objectif vraiment quasi important pour lequel tu as été conçu. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire autrement que cette télécommande, merci papa, ta raison n'est, oh regarde, merci papa, ta raison d'exister, c'est-à-dire la vision même, homme, ça c'est fort. C'est ta raison, my God, ça, papa, merci beaucoup là-bas, que Dieu te bénisse. Ta raison d'exister, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu existes et tu vis. Si on t'enlève cette raison, tu n'existes plus. Si on t'enlève cette raison, tu n'as plus même la capacité de te mouvoir dans le physique. Parce que en fait, la vision, c'est ce qui te constitue. Débat. Sans toi, il n'y a pas ta personnalité. Mais mesdemoiselles et messieurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me permets d'étendre un peu le sujet. Vous qui faites les études là, vous devez faire attention au type de formation que vous faites. Parce que si vous vous orientez mal, devant il y aura problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont fait les orientations, après ils ont changé, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consulter quelle est la formation qui va siéger avec ta vision, ta raison d'être, la constitution prédestinale à laquelle tu as été appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Yes. C'est ainsi que quand Jérémie naît, à un moment donné, Jérémie a une révélation, a un contact avec Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire à Jérémie, tu n'es pas devenu prophète sur la terre, mais tu es prophète de par gène et par constitution. Yes. Dieu est en train de dire à Jérémie, la vision, ce à quoi tu as appelé, la raison de ton existence n'est pas en fait la conséquence de ta venue sur terre. Non, mais en fait, c'est même ce pourquoi tu as été créé. Tu es prophète non pas par nom, mais tu es prophète par nature. Pour ceux qui aiment les anges, ils vont vous dire que dans le ministère angélique, il y a des anges de la cuisson, spécialistes dans la cuisson. Eux, ils ne connaissent pas chanter, ils ne connaissent pas se battre. Eux, c'est la nourriture. Quand tu vas aller au ciel dans les noces de l'agneau, tu ne vas pas manger n'importe quoi. C'est les anges là qui vont préparer. Dans le mystère des anges, il y a des anges du combat. Il y a ceux, beaucoup connaissent Michaël. Il y a les anges des messagers. Eux, ils ne connaissent pas bagarre. Ça, c'est le genre de Gabriel. Parce qu'ils ont été conçus pour une fonction, c'est d'être la bouche de Dieu. Ils ont été conçus pour une fonction, c'est d'être le bras fort de Dieu. C'est ce pourquoi ils ont été conçus. Et c'est ça la vision.
La vision ne se trouve pas dans le physique. Ah. Mais la vision, en fait, n'est que l'émanation spirituelle de ce à quoi tu es appelé. Si tu veux connaître ta vision, tu dois retourner auprès de ton Créateur. Yes. Ouais. 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 Akle Amaide. Resho Kle Amaide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, écoutez, écoutez. Merci Seigneur. Écoutez une chose. Écoutez une chose. On parle de lion sur la terre parce qu'il y a un lion au ciel. Adam a reçu la sagesse et la connaissance par Dieu et il a nommé les animaux. Et tout ce que Adam a nommé sur la terre a été approuvé par le ciel. Maintenant, écoutez, il y a une chose primordiale. Oh my God. Les amis, est-ce que tu peux mettre en commentaire je suis un être spirituel. Même en tape en commentaire, je suis un être spirituel. Tape en commentaire, je suis un être spirituel. Rakla asoklemet elediha. Tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel. Mets-moi ça en commentaire. Je suis un être spirituel. Maintenant, vous devez comprendre, c'est que le corps est une enveloppe. Le corps est une enveloppe. Et c'est comme une enveloppe dans laquelle on met de l'argent. L'argent, c'est ce qui donne de l'importance à l'enveloppe. Le corps n'a pas d'importance sans l'esprit. C'est l'esprit qui donne de l'importance au corps. Or, l'esprit, racla atolovle ete. Ziklindolovla ata. J'aimerais qu'on me cherche le texte, je parle à mon équipe, là où on dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Je crois que c'est dans Philippiens comme ça. Il est écrit dans la Bible que nous sommes assis dans les lieux célestes. Oh my God. Et j'aimerais aussi que d'autres personnes me cherchent le rendez-vous de Jésus avec Nicodème. Je crois que c'est dans Jean 6 ou Jean 3. Rakla antelevla adash. Pourquoi Dieu, quand il se révèle à Adam, après le péché, Dieu dit « Adam, où es-tu ?» Dieu avait l'habitude d'avoir des entretiens personnalisés avec Adam dans lesquels Adam lui faisait le rapport journalier. Et un jour, un soir, à l'heure du rendez-vous, Dieu est venu et chercher Adam. Pendant qu'il se promenait dans le jardin, la Bible nous dit que Dieu dit Adam, il appela Adam, il dit Adam, où es-tu? La question qu'on se pose, c'est que pourquoi Dieu cherchait Adam? Est-ce parce que Adam avait péché? Ou bien est-ce parce que Adam n'était pas au lieu du rendez-vous? Avait-il un lieu précis dans lequel il se rencontrait? Oh my God, étant donné que Dieu savait que Adam était dans le jardin. Et quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam dit, je suis là et je me cache. Je paraphrase. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais interdit? Et Adam dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Vous devez comprendre que la chose qui a fait en sorte que Dieu puisse interpeller Adam, ce n'était pas en fait le fait que Adam, ce n'était pas lié au naturel, c'est-à-dire à tout ce qui était dans le monde physique. Ce n'était pas lié au jardin. En fait, c'était lié à quelque chose d'autre. My God, my God, my God. Dis-moi avance, prophète. Je suis déjà à la fin de mon message. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Il y a un texte que je suis en train de chercher dans mon esprit, dans le livre de Jean, où Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il est assis, c'est-à-dire, pendant que Jésus est sur la terre, dans ce texte, pardon, les lecteurs de la Bible, aidez-moi, ça me ferait plaisir de le lire, dans ce texte-là, Jésus, il dit, je crois, il parle, il dit, je suis sur la terre,
En même temps, je suis assis. Il est au ciel, à la droite du Père. Donc, Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, il était assis, il était sur la terre, il rendait ministère sur la terre, mais en même temps, il était assis dans les lieux célestes à la droite du Père. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jésus dit, quand la Bible dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père, c'est parce que toutes les fois où le Père agit, le Fils est à côté. Écoutez-moi bien, on va quelque part. Écoutez-moi bien, on va quelque part. Rakla asofle emeladich. Clean tov le adage. Rekle ata. Ok, merci Seigneur, j'ai trouvé le verset. Jean 3, à partir du verset 13. La Bible dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Écoutez bien la parole, écoutez. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dieu, Jésus, est en train de parler avec Nicodème. Et pendant qu'il parle avec Nicodème, il dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Et celui qui est descendu là, c'est le Fils. Et le Fils là-même, là où je te parle, il est au ciel. Donc, Jésus, pendant qu'il parlait avec Nicodème, il était sur la terre, mais il était en même temps au ciel. Et l'une des choses, c'est que quand la Bible vient, quand Jésus vient, il meurt. Et avant de mourir, il pousse un cri. Et le cri qu'il donne, c'est « tout est accompli ». Le « tout est accompli » avec quel objectif? Le « tout est accompli », c'était pourquoi? C'est parce que le jour où Adam a péché, quand Dieu descend du rendez-vous, il pose la question à Adam, où es-tu? C'est parce que Dieu s'était rendu compte que Adam n'était plus au ciel. Parce que dans l'origine créatrice de Dieu, c'était qu'on soit bipolaire. On pouvait vivre sur la terre en même temps au ciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jésus vient, il y a Nicodème, je suis sur la terre, mais en même temps je suis au ciel. Et Jésus dit, tout est accompli, parce que plus loin, dans Philippiens, il dit, nous sommes assis à la... Oh, est-ce que je parle? À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'humanité, dans la création originelle, dans la pensée originelle de Dieu, c'était que l'homme gouverne comme Dieu sur la terre, mais en ayant la possibilité d'être au ciel. Pourquoi la Bible dit que dans le livre de Matthieu 16, Dieu dit, Jésus parle, et il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront plus contre elles. Tout ce que vous liez, il parle de l'Église. Lié sur la terre sera lié dans les cieux. Depuis quand il y a un versement, c'est parce qu'en fait, l'Église n'est pas que sur la terre. L'Église a la capacité aussi d'être dans les cieux. En fait, le royaume que Dieu nous a apporté, c'est la capacité d'être sur la terre en même temps au ciel. Je reviens pour dire qu'en fait, sur la terre, tu exerces ta vision, tu exerces ton objectif, tu exerces ton appel en fonction de ce dont quoi tu as été conçu dans les cieux. Si tu ne connais pas d'abord spirituellement ce à quoi Dieu t'appelle, tu ne pourras pas impacter dans le domaine terrestre parce que ton impact global dépend préalablement de ce pourquoi tu as été constitué. Je ne sais si je parle à quelqu'un. Amen. Et en Amen. Fait, c'est là tout le problème. C'est là toute l'amalgame. C'est là, en fait, où l'Église a un sérieux problème. Je dirais même les chrétiens, permettez-moi. C'est là où les chrétiens ont un sérieux problème. C'est ce qui fait en sorte que l'Église a du mal à impacter. Parce que tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être apôtre, tout le monde veut être shababa. On ne connaît pas d'abord à l'avance quel est l'objectif auquel Dieu m'a conçu, pour lequel Dieu m'a conçu. C'est déplorable, mais c'est vrai. Je vais le dire de manière directe. Les païens sont plus orientés que nous. Désolé de le dire, sont plus organisés que nous. Sont mieux équipés que nous. Et la Bible dit, je suis en train de voir des esclaves qui marchent sur les chevaux et les princes qui marchent au sol. Ils sont à pied. Quel dommage. Fait,
Quel dommage, my father. Les esclaves ont eu la capacité de pituler, ont eu la capacité de naviguer dans les dimensions. C'est-à-dire, ils ont eu une capacité structurelle plus que les princes. Les fils, premièrement, deuxièmement, l'une des choses aussi, c'est que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ben ouais, ouais. Troisièmement, la Bible dit que Hébreux chapitre 6, nous sommes toujours au lait. On aime toujours le lait. On aime que la nourriture des bébés. On ne veut pas grandir. On ne veut pas monter dans une autre dimension. Trois textes de la Bible qui interpellent l'Église à la connaissance, au réveil. Trois textes de la Bible qui interpellent l'Église à au moins un autre mouvement. Trois choses de l'Église qui interpellent l'Église à la perfectionnement. Quand on parle de perfectionnement, c'est quoi? Ça veut dire connaître son domaine et se perfectionner dedans. Amen, amen, amen. C'est qu'ils apprennent à connaître. J'aime cette phrase. Oh, la vie éternelle. Merci. Yes. Come on. Yes. Et c'est ainsi que Paul dit. J'aime trop Paul. Le gars là, il avait une dimension mystique compliquée. Paul a dit, connaissez et cherchez à connaître. Je vais encore soulever, et permettez-moi l'expression, une tare de l'Église. C'est qu'on a, on a pris Dieu, et on a dit à Dieu, Dieu, toi, tu ressembles à ça. Et à part ça, tu n'as plus d'autre image. Et c'est ainsi que quand une autre personne vient avec une autre révélation de Dieu, on le traite d'occultiste. Paul a dit, connaissez. Connaissez voudrait dire. Au-delà de l'image et de la connaissance que vous avez, elle est bonne. Mais ne vous arrêtez pas à connaître. Cherchez à connaître. Parce que l'image et la connaissance que vous avez de Dieu, elle est infime comme ça. Yeah. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être connu en totalité par un homme. C'est la raison pour laquelle il a donné le sacerdoce. Il a donné la royauté. Afin que le sacerdoce montre la divinité de Dieu et que la royauté montre la gloire financière de Dieu. Tu n'as pas compris. Le sacerdoce, quand je parle de sacerdoce, je parle du ministère apostolique et les cinq ministères. On a pour but de montrer la puissance et le côté surnaturel de Dieu. Or, le roi a pour but de montrer le côté souverain et glorieux en termes de richesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parlez de Anibra à Soclé. L'Église est en crise. Quand je parle de l'Église, je parle de toi. L'Église est en crise parce que l'Église ne connaît pas sa vision. L'Église est en crise parce que l'Église ne connaît pas sa fonction. Beaucoup veulent être des chantres parce que papa, maman chantre et on est tous des chantres. Surtout nous, les enfants des pasteurs. Là. Elle fait du suivi. Mais je ne sais pas, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Je ne sais pas si la jeunesse chrétienne, tu rencontres combien de fois les temps de la fin reposent sur les jeunes. Écoutez, la Bible dit, Joël 2, 28, les derniers temps, l'esprit sera répandu sur les fils et les filles. Qui eux prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards les songes. Il y a des versions qui disent qu'ils songeront des songes. Plus loin, je crois, dans un genre, on dit jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Pourquoi on parle de jeunes gens? Parce que l'on dit le combat terrible de la fin des temps ne se fera pas par des vieux. Le combat terrible de la fin des temps se fera par des jeunes. Quand je parle de jeunes, je ne parle pas de jeunes en âge. Quand je parle de jeunes, je parle des jeunes qui ont une église mûre et mature, pas une église vieillissante. Yes. L'impact que tu auras, toi, en tant qu'Église, dans la société, elle dépend de tout simplement la connaissance de ta vision.
Amen, amen, amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Il y a trois choses avec lesquelles tu ne dois pas blaguer. Il y a ton salut quand tu acceptes Dieu. Il y a l'homme ou la femme de ta vie, celui ou celle avec qui tu cherches, tu désires te marier. Troisièmement, il y a la vision. Avant de te lancer dans quelconque chose, prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne te parle pas, n'y va pas. C'est ce qui fait en sorte que récemment, il y a quelques jours, je parlais avec un homme qui m'a beaucoup impacté dans mon cursus. Et il me contait une histoire d'un homme de Dieu, un jeune, qui a commencé le ministère sur la base des prédications, sur la base des prophéties et des puissances. Il a commencé un ministère parce qu'il prophétisait avec détail, il priait pour les malades étaient guéris, et il a dit, bon, là, je vais commencer le ministère. Et quand la COVID est venue, il se plaint que les fidèles ne viennent plus à l'église. C'est-à-dire, la COVID, là, a été pour lui quelque chose de dangereux. Ça a vidé tous les fidèles. Jusqu'aujourd'hui, il se pose la question, comment faire? Au-delà des dons, des talents, il y a ce à quoi Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et il peut arriver que tu découvres l'équipement. Mais l'équipement n'appelle pas la fonction. L'équipement n'appelle pas le service. Oui, il peut arriver que tu découvres l'équipement. Mais l'équipement a pour but de renforcer quelque chose de prérequis, de préalable. C'est-à-dire, l'équipement vient pour t'aider à accomplir une tâche. Mais si tu veux faire de l'équipement une tâche primordiale, tu vas te faire mal. La vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Amen. My God. La vision. Et je vais chuter en disant ceci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assurons là où vous êtes. Dieu vous a appelé quelque part. Dieu vous a établi quelque part. Vous êtes en train d'apprendre quelque part. Vous êtes en train de vous découvrir quelque part. Please, like the Englishman say, I beg you. Comme les anglophones disent, je vous en supplie. Je vous conjure. Prenez le temps de prier. Je le dis parce que l'Église a une lourde responsabilité en ce temps de la fin. L'Église a une lourde responsabilité en ce temps de la fin. J'ai déjà terminé mon message. Hier, pendant que j'étais en train de prier avec mon équipe pour ce moment, je n'avais pas prévu faire un live, mais juste après, Dieu m'a poussé par son esprit à faire un live. Et il m'a demandé de parler sur certaines choses dont il m'a révélé par rapport au Gabon et au Sénégal. Et pendant que j'étais en train de parler de certaines choses, Dieu m'a dit clairement, la relève économique que va subir le Gabon viendra de l'Église. Le bouleversement économique que va subir, ou du moins que va vivre le Gabon, viendra de l'Église. Je ne parle pas ici des découvertes d'or et des diamants, ça c'est petit. Mais je parle de l'Église en mouvement. Écoutez, il va avoir quelque chose dans l'Église du Gabon, non pas comme des sensations, je parle d'un réveil purement, un réveil tangible, un réveil compliqué, dangereux. Amen. Et ce réveil-là va apporter un bouleversement économique. Va apporter un bouleversement sanitaire. Pendant que je parle, je peux annoncer à des personnes que dans un futur présent au Gabon, écoutez les amis, my name is Prophet Azaf Anel. Ce que je dis commence à entrer en application. À partir de l'année 2023, le Gabon va passer à un autre processus spirituel. Je parle en tant que prophète.
Et je vous dis clairement, à partir de l'année 2023, il va y avoir l'accélération d'un autre processus spirituel. Il y a des églises qui vont émerger. Il y a des prophètes qui vont émerger. Il y a des entreprises, des chrétiens qui vont émerger. Est-ce que je parle? Il y a des hommes et des femmes de Dieu, même dans l'humour, chrétiens qui vont émerger. Dans chaque domaine social ou social, je ne connais pas, là où un chrétien se trouve, Dieu va permettre à ce que l'émergence se fasse. Amen. Mais le danger, c'est que si l'Église n'est pas enseignée avant l'émergence, on risquerait de retourner à l'état initial. Parce que le but, ce n'est pas d'être roi et de chercher à gouverner le pays. Mais il faudrait connaître ce que tu vas faire quand tu seras roi. Yeah. Le but, ce n'est pas de chercher à être une maman juste en ayant le désir d'avoir un bébé. Mais quand tu auras un enfant, quel est le type d'éducation que tu donneras à celui-ci? Yeah. Et c'est à ce niveau-là, au fait, que toute la question se pose. C'est à ce niveau que toute la problématique se pose. Et c'est à ce niveau-là parce que l'Église refuse la connaissance. Et là, je parle de l'Église du Gabon. L'Église du Gabon refuse la connaissance. Yes. L'Église du Gabon aime le charismatique. C'est bien, et je célèbre, moi-même, je célèbre ces choses. J'aime ça, vous allez vivre ça pendant les programmes ici. Mais au-delà de ça, on doit chercher à connaître Dieu. Et connaître Dieu se base sur la base, permettez-moi, de la connaissance. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. 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 J'aimerais que dans cette foulée, là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, tu baisses ta tête pendant 60 secondes et que tu pries Dieu en disant à Dieu, donne-moi la capacité, révèle-moi Seigneur ma vision, révèle-moi Seigneur ma fonction. Assurément tu m'appelles à être experte comptable, assurément Dieu t'appelle à être même mannequin, assurément Dieu t'appelle à être photogénique, assurément Dieu t'appelle à être dans quelconque domaine de la société. Assurément, Dieu t'appelle à impacter dans le domaine social ou bien dans le domaine ecclésiastique. Quel que soit ton domaine, même si tu fais le droit à l'école, même si tu fais, je ne connais pas trop, la politique. Récemment, je parlais aujourd'hui, je crois, ou hier, avec un homme de Dieu, il me disait, il sent l'appel pour la politique. Je lui ai dit, mon frère, avance. Si tu sens, quel que soit là où tu sens que Dieu est en train de t'attirer, j'aimerais que tu pries afin de dire à Dieu, Père, donne-moi la lucidité de discerner ta voix. Donne-moi la capacité de comprendre l'objectif pour lequel tu m'as créé afin de ne pas passer à côté de ta volonté. Est-ce que 2, 3, 4, Olivia et deux autres personnes peuvent activer leur micro et on va prier avec papa? Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pendant quelques minutes? Prions. C'est toi qui nous diriges. Regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enchaîne le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Shabbat,
Donc, prenez quelques coups pour aller guérir la fille de Jairus.